Bien que, initialement, il ait farouchement contre le vaccin anti-Covid, Philippe Etchebestès est finalement fait piquer. Toutefois, il a dit être totalement opposé au pass sanitaire. Pour le célèbre chef, l'extension du pass sanitaire sera difficile à appliquer en France. Il a donné son avis lors d'une interview accordée à BFM TV. L'entrée en vigueur du pass sanitaire le 21 juillet 2021 est un jour qui fera date en France. En effet, c'est le jour qui marque l'entrée en vigueur officielle du pass sanitaire sur l'étendue du territoire francais. Le chef Philippe Etchebestès. Photo. Getty Images. Pour pouvoir entrer dans des lieux de culture et de loisirs pouvant accueillir plus de 50 personnes, il faut avoir subi un test PCR ou avoir été vacciné contre le coronavirus. Dès le mois d'août 2021, cette mesure va se généraliser aux restaurants, cafés, bars, terrasses et centres commerciaux. C'est un nouveau coup de massue pour les restaurateurs. Une situation délicate pour les restaurateurs toujours prompts à dire ce qu'ils pensent et à défendre sa profession, Philippe Etchebestès monte au chrono afin d'alerter les pouvoirs publics. Bien qu'il reconnaisse les dégâts provoqués par cette crise sanitaire, il n'a jamais caché être contre le pass sanitaire. Philippe Etchebestès. Photo. Getty Images. Il craint des débordements entre employés des restaurants et clients, n'étant pas fait vacciner. Une situation qui pourrait engendrer une nouvelle crise dans leur secteur des activités. La colère de Philippe Etchebestès le 20 juillet 2021, le célèbre chef était sur BFM TV. Il a une fois de plus manifesté sa colère face à cette nouvelle situation. Moi, je ne voulais pas me faire vacciner au début quand c'est sorti, j'étais sceptique et puis âpre, par la force des choses, je me suis fait vacciner un peu comme tout le monde. Sa réaction n'a pas vraiment plu à tous les internautes. Certains se sont montrés durs envers lui. Vaccination. Les Américains se moquent des Français. Le discours du président français sur le vaccin contre le coronavirus et l'extension du pass sanitaire a fait et continue de faire beaucoup de bruit. Le présentateur Jimmy Fallon. Source. Getty Images. Les Américains, après avoir écouté le dit discours, se sont ouvertement moqués des Français. Zoom sur les propos d'un célèbre présentateur américain. Vous à mon mama sur Google News.